Nous sommes des renaissances de la République de la Guinée. C'est la renaissance de la République de la Guinée. Quand c'est de Yao, Demagossi c'est de Yao, c'est venu en Guinée avec Demagossi de Alassane Dramane Ouattara, avec le président ghanéen, ils sont venus en Guinée demander la libération de l'ex-président de la République de Guinée, Alpha Condé, qui est fini comme Bokassa. Alpha Condé qui est très mal fini. Ils sont venus de nous demander pour libérer Alpha Condé. Je vais vous dire, nous sommes dans la renaissance de la Guinée. La démagogie est finie. La discrimination est finie. Ethnocentrisme est fini. Extrémisme est fini. Les gabessis financiers est fini. Les prévarications des biens publics de l'État est finie. La corruption est finie. L'impunité est finie dans notre pays. On va cesser Alpha Condé en Guinée. C'est nous les Guinéens qui va prendre les décisions. Comment on va. Le destin de Alpha Condé, c'est nous qui va prendre les décisions. Ce n'est pas des Magossi, c'est des Yao qui vont venir donner leçon au peuple guinéen. Ce n'est pas des Magossi. Alassane Dramane Ouattara qui peut venir pour nous donner leçon. Comment on va. Qu'est-ce qu'on doit faire avec Alpha Condé? Ou bien comment on va procéder notre transition? Ce n'est pas les présidents ghanéens qui vont venir de nous donner des leçons. Nous sommes des renaissances de la Guinée. La Guinée a été morte. Presque la Guinée était en coma. La Guinée était en coma. Maintenant, l'équipe CNRDD, Comité national de redressement et de développement, j'ai amené les oxygènes pour revivre encore de la République de Guinée. Parce que nous sommes, la Guinée était en coma, la Guinée était dans les points finaux pour finir avec la Guinée. Grâce à ces criminels avec cette équipe. Donc mes frères guinéens, je vais vous dire, le destin Alpha Condé, c'est le peuple guinéen qui va décider. Ce n'est pas Cédéao qui va venir de nous donner des leçons. Le frustré de RPC Arc-en-Ciel, les gens qui sont frustrés, les gens qui sont pensés que la vie Alpha Condé c'est éternel, les gens qui pensaient que Alpha Condé ça ne finira pas, Alpha Condé c'est pas mortel, les gens qui pensaient que Alpha Condé il est petit dieu, aujourd'hui Alpha Condé est devenu mousse aujourd'hui. Il devenait mousse aujourd'hui. On va répondre maison centrale de la Guinée. On a des chambres. On a un chambre pour Alpha Condé, maison centrale. C'est la justice qui va soucier Alpha Condé. Ce n'est pas le CDAO qui va prendre les décisions. Comment on va procéder? Quel est le destin de Alpha Condé par rapport aux crimes qu'il a commis en Guinée? Toutes les équipes de Alpha Condé, les A jusqu'à dernier planteau. Commencement Alpha Condé, jusqu'à le chef de quartier, toutes les personnes qui ont contribué pour la destruction de la nation guinéenne, toutes les personnes qui ont contribué pour les tueries de la Guinée, toutes les personnes qui ont contribué pour la pour détruire la tissu social, faire la prévarication des capacités financières. Les tueries des sanguinaires, tout le monde va répondre à la justice. Donc il y a tolérance à zéro. Il n'y a pas de tolérance. Nous, on n'est pas venus pour faire les vengeances. On est venus pour mettre à l'ordre constitutionnel de la Guinée. On est venus pour mettre en place un état de droit. Mais pour mettre un état de droit en Guinée, ça ne peut pas aboutir sans la justice en place. Maintenant, quiconque qui a défié la justice, quiconque qui a fait le mal en Guinée, ils vont répondre à la justice. Il n'y a pas de tolérance. Tolérance zéro. Tolérance zéro, c'est nous qui sommes dans le gouvernement, c'est nous qui sommes les membres
CNRD, Comité National de Redressement de Développement de la République de Guinée, c'est nous qui sommes là, on va prendre les décisions collectives avec la population guinéenne, avec l'ensemble des peuples guinéens, des bons patriotes guinéens qui pensent pour que la Guinée avant aller en avance, c'est nous qui va prendre les décisions, les destins de l'avenir de notre pays, notre seul pays. Mes frères guinéens, les Mamed Diané, Amadou Damaro Camara, Burama Kondé est déjà à l'arrestation, Thibaut Camara est déjà arrêté. Thibaut Camara, on a déjà arrêté Thibaut Camara. Burama Kondé est déjà arrêté. Maintenant, ça reste Mamed Diané doit être arrêté. Mamed Diané, ancien ministre de la Défense nationale de la Guinée, qui a donné, qui a ordonné de tuer des innocents, de tuer des enfants destruits. Mamed Diané va répondre à la justice. Amadou Damaro Camara, ancien président, soi-disant, le député de coronavirus, parlement de coronavirus, ancien député de RPC Arc-en-Ciel, de l'ensemble de RPC Arc-en-Ciel, parce que notre ensemble national, ils nous avaient bafillé. Je prends notre ensemble national comme leur parlement, préalablement sans consentement de la population guinéenne. Moi, je vous dis, je ne reconnais pas le gouvernement Alpha Condé, je ne peux pas reconnaître jusqu'à la fin de son mandat. Maintenant, Amadou Damaro Camara va aller répondre à la justice. On doit faire l'arrestation immédiate. Amadou Damaro Camara doit être arrêté, jugé, condamné, le crime qu'il a commis à la République de Guinée. Le crime qu'il a fait en République de Guinée, Amadou Damaro Camara doit répondre à la justice. Burama Kondé est déjà, il est déjà dans les prisons, Burama Kondé. Maintenant, Kiridi Bangoura, Nabi Kiridi Bangoura, ancien chef de cabinet de Alpha Condé, Kiridi Bangoura doit être arrêté, cisé, condamné. Kiridi Bangoura doit être dans les prisons. La place de Kiridi Bangoura, c'est dans les prisons. La place de Maman Lamini Bangoura, ancien président de cour constitutionnelle, Maman Lamini Bangoura, ancien président de cour constitutionnelle de Alpha Condé, doit être cisé, condamné. Parce qu'il a trahi son serment, il a trahi la Guinée, il a trahi son diplôme. Mamadou Lamini Bangoura, président, ancien président de cour constitutionnelle, ancien président de la CENI, commission électorale indépendante. Monsieur Kaba doit être dans les prisons. La place de Monsieur Kaba, c'est eux qui ont trahi la Guinée. Tous les tueries, tous les vandalismes, toutes les criminalités qui ont été passées dans notre pays. Monsieur Kaba est à la hauteur en tant que président de la CENI. En tant que président de la CENI. Donc, ça n'a pas été le consensuel collectif des peuples guinéens pour qu'il soit le président de la CENI. Donc, ça doit être témoignage à tout le monde. Monsieur Kaba, président de la commission électorale indépendante de la Guinée, on doit le reconduire dans les prisons. Maintenant, Malik Sanko, ancien secrétaire général de la sécurité sociale de la République de Guinée, Malik Sanko doit aller. La place de Malik Sanko, c'est dans les prisons. Ça doit être arrêté, condamné. Parce que c'est un criminel qui a trahi la Guinée. Makanera Kake doit être dans les prisons. Parce qu'avec son gros bousse là, c'est eux qui sont trahis la Guinée, c'est eux qui sont poussés Alpha Condé pour que Alpha Condé détruise la Guinée. C'est eux qui sont donné le appui moral à Makanera Kake. La place de Makanera Kake, c'est dans les prisons. Donc, Bantamasso, la place de Bantamasso, c'est dans les prisons. Namor Traoré, ancien chef d'état-major de l'armée, malgré il n'a pas d'accord avec Alpha Condé, mais il n'a pas démissionné. On doit le juger, il doit nous expliquer pourquoi il a consenti, il n'a pas démissionné en tant qu'un fils digne de la Guinée,
Namor Traoré, chef d'état-major général de l'armée. On doit les viser. Général Baldé, chef d'état-major de la gendarmerie nationale de la Guinée, général Baldé, Ibrahima Baldé, doit être visé, condamné. Général Bafoué, en ce moment, la caméra communiquement appelé Bafoué, doit être visé, condamné. Bafoué a consenti qu'Alpha Condé opprimait des peuples. Général Bafoué a consenti, au lieu d'agir en tant qu'un armé, en tant qu'une personne qui a suivi bonne formation, parce que Bafoué normalement il a des formations. Bafoué normalement, avec son diplôme, il a accepté d'être manipulé. Mais sinon, Bafoué ne doit pas agir la manière qu'Alpha Condé voulait que lui agir. Bafoué, général Bafoué ne doit pas accepter. Mais comme il a accepté, il a consenti, il est d'accord, la place de Bafoué, c'est dans les prisons. Albert Damantan Camara, ancien ministre de l'Intérieur. Albert Damantan Camara, ancien ministre de l'Intérieur de la Guinée. Ancien ministre de Alpha Condé, Albert Damantan Camara. La place de Albert dans les prisons, on doit arrêter. Juger, condamné. Albert Damantan Camara. Dialikatou Diallo, vice-président de l'Assemblée nationale, Dialikatou Diallo. On doit l'arrêter, Dialikatou Diallo. Madame Dialikatou Diallo, la place de Dialikatou Diallo, c'est dans les prisons. Sidi Souleymane Ndiaye, procureur général de Dixing, avec procureur général de Mafanko, avec procureur général de Kaloum, on doit viser tout. Tout le monde doit être visé et condamné. Tout le monde doit être visé, condamné dans les prisons fermes. Ils n'ont qu'à se justifier pour qu'ils soient trahis la Guinée. Il doit être visé, condamné pour qu'ils soient trahis la Guinée. Donc, mes frères guinéens, troisième vice-président de l'Assemblée nationale, avec tous ces députés coronavirus qui sont privilégiés sur leur intérêt personnel. Au lieu de regarder l'intérêt supérieur de la nation, au lieu de regarder l'intérêt, parce que les députés sont des représentants du peuple qui doivent défendre cette paisible population. Ces députés-là, ils sont trahis les consciences, ils ont trahi leur honneur, ils ont trahi les statuts des députés. Tous ces députés-là doivent être traduits à la justice. Tous les 518, Jacques 518, Alpha Condé même a écrit, dans son Twitter que le Jacques 518, qui sont plus risqués, lui-même Alpha Condé qui a créé Jacques 518. Maintenant, mes frères guinéens, tous les membres de Jacques 518 de Alpha Condé doivent être jugés, condamnés. Il doit rembourser l'argent contribuable du Guinée. Djenabou Nabaya Dramé doit être jugé, condamné, rembourser les 20 millions d'euros qu'il a détournés. Président de la ministre de la Mine et des Eaux aussi doit rembourser l'argent des contribuables du Guinée, ce qu'ils ont détourné. Baïdi Haribo. On doit faire l'arrestation Baïdi Haribo. Toute l'équipe de Alpha Condé, tous les actes qui sont contribués, avec tous les communicants, petits communicants de RPG, qui sont fait incitation à la haine, incitation à la violence, incitation à la destruction de la tissu sociale, incitation pour opprimer les peuples à leur profil, parce que Alpha Condé donnait 500 euros à chaque personne par mois, à cause de ces petits 500 euros-là, toujours ils ont détruit la Guinée. Et à leur bouche, on doit arrêter tout le monde. Tout le monde doit être arrêté, jugé, condamné. Donc, les fanfarons de CEDEAO, des amalgames de CEDEAO, ça ne marche pas en Guinée. L'amalgame de cette CEDEAO, ça ne marche pas en Guinée, ça ne marchera pas, ça ne fait ni son ni froid. Nous, on n'est pas peur. La Guinée, on a des mers, on a des Méditerranées, on a de l'or, on a des diamants. L'argent ne fait pas de bruit.
aucune. Il y a des violences en Guinée, il n'y a pas de violence en Guinée. Donc, toujours l'opérateur économique, ils ont bien, bien intéressé la Guinée parce qu'on a de l'or, on a tout en Guinée. On n'a pas d'inquiétude. Si le CDAO fait, si le CDAO veut, ils n'ont qu'à fermer la porte. Nous, les Guinéens, on va vivre. On n'a pas peur. On est prêt de tout. On est prêt à mettre l'ordre constitutionnel dans notre pays. On est prêt, on n'a pas peur. C'est eux-mêmes qui ont besoin de nous, ce n'est pas nous qui avons besoin de ces CDAO. Parce que nous, on est serbes et on est russes. La Guinée n'a pas pauvre. Seulement, il y a un mauvais gouvernement qui est là, seulement, il y a une mauvaise session qui est là, qui ne va pas au bénéfice des peuples. Mais nous, on n'est pas pauvres. Nous sommes russes, on n'est pas une personne pauvre. La Guinée est russe. Donc, l'autorité, nouvelle autorité de la Guinée, il n'y a aucune inquiétude. Moi, je vous garantis. Le département sanitaire, parce que la Guinée a besoin de problèmes sanitaires urgents, moi je vais donner, je donne ma parole d'honneur, au l'honneur, je suis au l'honneur de mon papa, je donne ma parole d'honneur, je vais donner garantie, j'ai déjà mis en place une stratégie pour le département sanitaire de la Guinée, je vais faire la réforme, tout le système sanitaire de la Guinée, je donne la garantie, j'ai des postes en Guinée, je n'ai pas de postes en Guinée. Peu importe, je suis patriote, j'ai aimé mon pays, je vais donner la solution. Mamadi Doumbia, président de CNRD, président de la République de Guinée, Comité national de redressement et de développement, CNRDD, nous sommes avec vous, je suis à votre disposition. Actuellement, je vais donner les solutions pour la santé de la Guinée. Il y a des pandémies en Guinée. Il y a une autre maladie comme fièvre ou bien paludisme, etc. Je vais donner la solution. Moi, Fodé, je prends la garantie, je prends les promesses devant Dieu, devant les hommes, devant le peuple guinéen. Je vais donner la garantie pour renforcer le système sanitaire de la Guinée. Ce qui est passé à Alpha Condé, la Guinée, la santé de la Guinée est devenue des battoirs, nous, on va s'en sortir. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous sommes là pour garantir l'emploi de jeunes, le mine, quiconque qui va venir exploiter nos mines, ils vont employer des Guinéens. Avant tout, ce que Mamadou Doumbia a dit, monsieur le président de la République de Guinée, monsieur Mamadou Doumbia, son excellence Mamadou Doumbia, ce qu'il a dit, quiconque qui va venir exploiter des bauxites, des diamants, de l'or, etc. Ils vont employer les autochtones d'abord, les Guinéens d'abord, avant tout, ces Guinéens qui vont être les directives de cette société. Donc, que ça soit clair pour tout le monde. Le Guinéen, je vous dis, la sérénité, la tranquillité, la confiance, on doit être sûr de nous, on va sortir des portes. On a une grande porte sortir. On a des portes sortir. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de préoccupation. Donc, nous sommes là pour donner la solution. Je vous promets, je vous garantis, la pauvreté de la Guinée, c'est fini. La pauvreté, c'est fini. Le mal gouvernance, c'est fini. Donc, nous sommes là pour bonne gouvernance. Mes frères guinéens, et aussi, je vais vous dire aujourd'hui, cet local là où je suis, c'est mon bureau. J'ai déjà pris un nouveau bureau, ici en Espagne. Je vous fais à la connaissance. Je vais employer ici en Espagne. Voici l'escalier, vous allez voir. C'est en haut et en bas. Tu as vu l'escalier? Vous avez vu l'escalier? C'est doublesse. Je vais employer ici plus de 20 personnes. C'est des avocats, des ressources humaines, etc. Toutes les administratifs. Donc avec tous les experts pour le développement, etc. J'ai déjà pris le local, je suis en train de faire le renouvellement de mon local. Je suis en train de faire les peintures, vous avez vu. Je prends, et donc, il y a partout. Il y a des étages en haut et en bas. C'est pour vous faire à la connaissance. Donc, c'est votre, grâce à vous, grâce à votre appui, maintenant, Fodé va commencer son travail. Tu as vu, même les toilettes qui est là-bas, là. Donc, voilà. Nous sommes là pour donner la solution.
Nous sommes là pour l'intérêt de la Guinée. Donc, il y a sept bureaux qui sont encore, sept chambres qui sont encore, sans compter en bas ici. Je prie ça, c'est moi qui ai le chef, c'est moi qui ai le gérant, c'est moi qui ai le responsable, c'est moi qui ai le propriétaire de cette locale. C'est moi qui ai le propriétaire de ce bureau. Il y a plus de 20 personnes qui vont venir travailler ici. Différentes personnalités, différentes professions. C'est pour vous faire à la connaissance. Le blague est fini. Le blague est fini. Le blague est fini. On veut plus de blagues. Donc les fanfarons de Alpha Condé, avec tous les membres du gouvernement de Alpha Condé, vont aller en prison. C'est nous qui disons. Maintenant, c'est la justice qui va faire son travail. C'est la justice qui va dire, est-ce que Alpha Condé a mérité d'être libéré? C'est la justice guinéenne qui va dire. Est-ce que Alpha Condé a mérité d'être dans les prisons? C'est la justice guinéenne qui va dire. Ce n'est pas le démagogie de CDAO qui vont venir de nous donner les leçons. Ce n'est pas le démagogie de CDAO qui vont venir de donner les notions ou des leçons. Ou bien ce n'est pas le démagogie d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, il est mentalement fou. Il est déracé. Le président ghanéen, il est fou, il est déracé. Est-ce que c'est eux qui vont venir de nous donner les leçons? Est-ce que c'est eux qui vont venir de nous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire avec la Guinée? Donc l'avenir de la Guinée, est-ce que c'est eux qui vont venir de nous parler de l'avenir de la Guinée? Le moment qu'Alpha Condé prend notre argent, contribuable guinéen, pour acheter des gaz lacrymogènes, acheter des balles réelles, pour tirer combien de jeunes est tombé pour balles réelles? Combien de personnes ont été gazées? Même dans les cimetières, ils ont fait la destruction, démolir la maison, de détruire les enfants, les pauvres citoyens guinéens. En ce moment, là, où se trouve le CDAO? Est-ce que CDAO est venu un jour? Alpha Condé, il ne faut pas faire ça. Est-ce qu'ils sont condamnés? Le moment qu'Alpha Condé a fait la tripartition de notre constitution, le moment qu'il a organisé une élection manipulée, trisée, une mal élection, une élection mal organisée, ça va coûter des guerres civiles dans un pays. Une élection mal organisée, ça va coûter des guerres civiles dans un pays. Le moment qu'Alpha Condé rentre en train d'organiser une mal élection qui va coûter des guerres civiles, où se trouve le CDAO? Qu'est-ce que CDAO a dit au peuple guinéen? Qu'est-ce que CDAO a dit à Alpha Condé? Est-ce qu'ils ont donné la solution? Est-ce qu'Alpha Condé a écouté même le CDAO? Parce qu'il y a le fichier électoral a été, ce n'est pas tout propre de fichier électoral. Où se trouve CDAO? Où se trouve Alassane Dramane Ouattara? Alpha Condé est parti jusqu'à cimetière, de nous gazer dans les cimetières. Gazer nos papas. Alassane Sekouna Souma de Tanéné. Alassane Sekouna Souma de Tanéné, ils sont gazés. Ils ont tiré par le réel dans le domicile de Alassane Sekouna Souma. Mais le gaz là-bas, avec le vieil et notre vieil. Notre grand-parent, avec Elhadji Sall Baldé, qui sont en train de faire des réunions à Tanéné. Ils sont partis gazer nos papas là-bas. Où se trouve le CDAO là-bas? Le menteur de Alassane Dramane Ouattara. Ou bien le menteur du président de Ghanaïen là. C'est très dommage. Le président ivoirien et le président ghanaïen, c'est honte à vous. C'est moi Fodé qui a dit, les citoyens d'honneur de la République de Guinée. C'est moi qui a dit, je dis et je dis. Voilà, je suis le citoyen d'honneur de la République de Guinée. Donc, ça ne marche pas. Vous allez me excuser parce que je suis en train de travailler. Tu as vu, il y a des peintures partout. Je suis en train de travailler, tu as vu, il y a des peintures partout. Je suis en train de faire des peintures. Vous avez vu? Parce que je dois me débrouiller moi-même. Tu as vu, je suis en train de faire les peintures. Vous avez vu les peintures, hein? Voilà. Donc, je suis en tenue de travailleur. Des fois, il faut qu'on fait tout. Il faut qu'on fait tout le travail. Donc, je suis en train de renouveler mon bureau. Vous allez m'excuser parce que j'ai des habillements qui n'ont pas tout propre, mais c'est normal. Je suis travailleur. Je ne suis pas quelqu'un qui est parisien. Je ne peux pas être parisien.
Donc, que ça soit clair pour tout le monde, le Demadoc, c'est de Yao. Je vais venir parler l'objectif de CNRD, Comité National de Redressement et de Développement. J'ai eu l'occasion de parler avec les hautes autorités, avec le premier responsable. Donc on a essentiel. L'essentiel c'est quoi? Il y a un consensuel. Je connais que c'est une personne qui est engagée à construire la Guinée. Mamadi Doumbia, à la question de Mamadi Doumbia, avec ses compagnons, avec toute l'équipe, ils sont prêts de revivre de la Guinée. Renaissance, c'est à cause de ça que je dis renaissance de la Guinée. La Guinée a été en coma. La Guinée était en coma. Maintenant, on a fait la réanimation. On a amené les masines pour réanimer jusqu'à il est revivre encore. Raison pour laquelle je dis de renaissance de la Guinée. La Guinée, c'est renaissance de la Guinée. Tout le monde sait que la Guinée est renée encore. Sinon, la Guinée, presque la Guinée a été morte. Donc, les ennemis de la République de Guinée, si vous pensez que ce que vous pensez, que la Guinée va tomber, la Guinée ne tombera jamais. Il y a des bons fils de la Guinée, il y a des fils dignes de la Guinée, il y a des celles qui sont prêts. Préserver la paix, sauvegarder les biens communs. Comme nous, avec toute l'équipe du Comité national de redressement et de développement de la Guinée, nous sommes là pour restaurer un véritable état de droit. Là où tu peux vivre avec ta dignité sans avoir de peur à personne. Si tu n'as rien fait du mal, tu n'as pas de peur à personne. À forfaitir à la loi, si tu n'as pas violé la loi, tu n'as aucune inquiétude, aucune personne qui va te convoquer à la tribunal, dans le tribunal, aucune personne qui va te convoquer au commissariat. C'est pas comme tant d'Alpha Condé, même si tu dis, même si tu tousses seulement, même si tu as fait comme ça, tu tousses, on te convoque à la commissariat. On dit qu'on te met le mandat d'arrêt, parce que toi, tu ne penses pas de la même manière que eux. Ça, c'est fini, c'est nous. NPC est mort et intérêt. Alpha Condé a apporté des RPC. Tout l'idéologie de RPC, c'est fini. Vous pensez que l'intimidation de CDAO, des menaces de CDAO, des sanctions de CDAO, que ça va censer quelque chose en Guinée, ça va nous faire effrayer, ça va nous intimider. Voilà. Vous êtes trompé. Alpha Condé va aller en prison, il va donner cette explication. Tous les gros détournements, il va rembourser tout. Tous les gros détournements, il va rembourser tout. D'abord, il ne tient pas. Il Non, c'est calme. Nanine, voilà, très bien. Voilà. Et vrai, Dobra donc il est la mienne. Voilà, bonne, voilà. Inversé. Voilà, une vidéo m'a sorti comme un métier. Allez, Brasil. Allez, si vous voyez, nous avons fait quelqu'un allez, Harbi, film. Allez, mignon, c'est tranquille. Voilà. Allez, tout le monde, on a fait musique là. Voilà. Les musiques là sont faites spécialement pour moi, pour les députés. C'est le Zan de Mali. C'est l'artiste de Mali qui m'ont honoré ça. Eh Allah, Mamadi. Allah. Wallahi Allah baraka malien, wallahi baraka malien. Malien, Mali Bamako. Ne malien nous faut, ne malien nous tantula, ne malien nous tegila, ne malien nous remercie là. Et ben il est qui mérite quoi une musique la folie d'exprimer. Ne malien nous remercie là. Voilà. C'est moi faut déjà quitter citoyen d'honneur de la République de Guinée. Ne malien dit nous faut là.
Ibrahim, Aramadin, il y a même des Wolid. Malien Biri. Voilà. Voilà, mes Maliens de Fola. Je salue tous les peuples de Mali. Je remercie des Maliens qui m'ont honoré, qui m'ont donné cette musique-là. Voilà. Je remercie de tous les peuples de Mali. Sincèrement, je remercie tous les peuples de Mali qui m'ont honoré, qui m'a donné cette musique-là. On m'a fait une spéciale de musique en disant le combat que j'ai mené pour mon pays, le combat que je fais pour mon pays, que je méritais ça, je méritais un respect. On doit me honorer. Maintenant, avec le peuple du Mali, Mali Bamako, Nakelem Fakileno, Mbakileno Mali, Mali Dino Mali Bamo, le Nyalfoula. Nyalou remercie là, Nyébarkabla la nuit. Allez, le Malien, Nyébarkabla la nuit. Faut déjà quitter. Je suis Guinéen, je suis Malien, je suis Sénégalais, je suis Guinée-Bissau. Bissau Guinéen, je suis Sierra Leone, je suis Ivoirien. Avant tout, je suis Africain. Mais surtout, mes frères de Mali qui m'ont honoré, qui m'ont fait de cet honneur. Quand on fait ça là, les Maliens nous font là, les Maliens nous tapent là. Donc, c'est pour vous faire à la connaissance, mes frères guinéens, avec cette situation, je vais vous garantir, le problème de CDAO, ça ne fait ni son ni froid. Le problème de CDAO, ça ne fait ni son ni froid. Nous, on est prêts psychologiquement. Psychologiquement, on est prêt. Moralement, on est prêt. On est courageux. On a des portes de sortie. Vous, les peuples guinéens, vous, les citoyens guinéens, on va vous redonner votre, la vie encore. La Guinée a été en coma, on va vous revivre pour vous donner la vie encore. Il y a des espoirs. L'espoir qui était garé. Maintenant, on a démarré l'espoir, on vous donne l'espoir. Sans démagogie, dans la logique, dans la vérité, dans la sincérité. Donc, la Guinée va démarrer. Bientôt. Kao, il est tout dit à la parole de la Guinée. Arrête-toi. Voilà, il est donc au dos, on a eu un loup de l'âme. Puis, arrête-toi. Kodo wana walu de la fille wadu kul pentir biro ango. Oui, to min wana ndam pentir biro biro makko ngo. Parce que do wadi kam ambo se pour me wara na pentir biro makko ngo. Nango info de jakiti de République de Guinée. Donc moi je suis sénégalais mais je salue tous les Guinéens. Je suis africain. Donc africain on doit rêver. On doit rêver, africain, on doit rêver parce que le Guinéen, surtout le Guinéen, il faut rêver. Le temps là, c'est parce que nous, le son de l'Afrique, on a venu de Dolora, de l'Afrique, tu sais, Afrique, donc le beau, tu sais, l'Afrique est unie. Surtout nos Guinéens sont unis. On sortit à colonel Mamadou Doumbouya. Donc, il a fait le Guinée uni. Je peux dire que Guinéen, il faut rêver tranquillement et donner le main pour travailler à Guinée, pour travailler en Afrique, avec l'Africain. Avec l'Africain. Donc si on a fait avec l'Africain, donc tout ça, on va avoir des développements. Donc, si on n'a pas fait ça, on ne va pas avoir de développement en Afrique, surtout le Guinée. Et le peuple Guinée, et Mamadou Doumbouya, il a réveillé un peuple Guinée parce qu'ils sont des Guinéens. Surtout le fils de Guinée. Donc, le CDA, il est bien, il trompe là-bas, il dit que c'est comme ça, c'est qui pour ça. On doit travailler en Guinée.
yow tigen kadi heben ko on kadi ko bitinien taway ak laaji men di jotaay non parce que Guinée c'est un pays riche. Guinée c'est un pays riche. Il a de tout, il a des diamants, il a des postiques. Il a des ferrailles, tout ça. Guinée, il y en a tout. Donc, le peuple de Guinée a rêvé, voir, donner la main, tous les fils de Guinée, donner la main. Il n'y a pas de quoi et quoi, donc. Alors, le Mamadi Doumbouya, il a fait porte ouverte. Il a fait porte ouverte à Guinée. Donc, si nous, on travaille bien à Guinée, donc, on doit avoir quelque chose à Guinée, sans sortir à Guinée. Guinée, c'est un pays riche. Le combien de temps la frontière entre le Sénégal et Guinée est fermée? Il n'y a personne qui travaille. Donc, je peux dire que la peuple guinée, il faut bien travailler, il faut exploiter votre richesse à Guinée. Il faut courir derrière Mamadou Doumbouya. C'est une personne qui aime Guinée. C'est une personne qui aime de la fils de Guinée. Une personne qui est courage en Guinée. Donc on doit être tranquillement avec le Mamadou Doumbouya. Parce qu'on donnait la main tranquillement, donnait la main. Ouais. Je suis sénégalais, mais le pays guinéen, c'est mon pays. Je suis guinéen, sans prochain. Donc là, je suis africain, donc. Je suis malien, je suis sénégalais, je suis guinéen. Mais sans prochain guinéen. Alors, pour voir le Mamadou Doumbouya, ce qui travaille. On se dit faudé, il m'a amené dans la locale, travailler, fait tout la peinture, voilà ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait la peinture, ça. C'est pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de difficile. En Europe, il n'y a pas de difficile. Les Européens sont mal impliqués que les Africains. Avec la dictature des Africains. Tout ça sont des dictatures. La gouvernance. La gouvernance en Afrique. Voilà. Les gens là, ils viennent à la bureau. Le bureau de fond est député. Le Mali est bien. Le Sénégalais est bien. Le Guinée est bien. Tout le monde est bien. Ils sont unis ici. Ils travaillent bien. Parce que c'est un fils de Guinée, il aime Guinée. C'est un fils de Guinée, vous voyez, d'acquitter, c'est un fils de Guinée, il aime Guinée. Donc il a assuré oui. Il a assuré le droit. Il a assuré oui. Il a donné pour le garantie. Ça, c'est maladie qui est passé là-bas. Ça n'a plus rien, vous avez appris. Donc c'est ça il fait. Donc c'est une garantie qu'il t'a fait. C'est un fonds d'équité. Donc il travaille en Guinée. Il veut le peuple de Guinée. C'est un fils de Guinée. Regarde ce qu'il fait. Tout le monde vient ici. Regardez le local qui est en train de son bureau. Donc nous tous on a s'assoit ici. Il n'y a pas de divisé. Il n'y a pas de difficile. C'est le Guinée qui fait le difficile. Donnez le coup de main. L'Afrique, c'est coup de main. Oui, on voulait le gouvernement qui travaille en Guinée. On voulait un gouvernement qui travaille en Afrique. Bon, Dieu merci. Voilà, Fodé. Donc c'est un son de Guinée, c'est un fils de Guinée. Tout ce qui est là, c'est pour le Guinée. Tout ce qui est là, c'est comme Guinée. Il a donné des mains de Guinée, il a frappé avec le Guinée,
le courage, la tolérance pour travailler à Guinée. Et à ce moment-là, maintenant, on a touché. Guinée. Donc, nous tous, on a des Guinéens. Donc, si on dit que voilà, donc, la frontière s'est fermée, ça c'est fatigant au Sénégal, à Guinée. C'est fatigant au Sénégal, à Guinée. C'est pas Guinée seulement qui est fatigué, c'est tout. Qui est fait Alpha Condé. Alpha Condé, avec leur mal gouvernance, qui est fait ça. Donc là, le peuple de Guinée, le fils de Guinée, donnait mené, donnait émeu pour travailler à Guinée, rêver. Afrique rêvée, on a dépassé ça. Afrique, il a tout, il a des diamants, il a de l'or, il a des postiques. Même terre, il a des terres qui ont fait le téléphone. Donc, et le terre qui ont fait l'avion, c'est Afrique. Voilà, c'est ça. Donc, je remercie le Guinée. Très bien. Je remercie le peuple de Guinée. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ok, alors voilà. Merci. Ok, merci. On est ensemble. Voilà. Mes frères guinéens, donc je suis heureux, je suis content, je suis fier de vous, je suis fier de mon pays, je suis le citoyen d'honneur de ce pays. Mon souci, c'est quoi? Comment démarrer la Guinée? Comment soulager le peuple guinéen et le peuple africain? Donc, Dieu merci, le pouvoir de Pharaon est fini dans notre pays. Le pouvoir de Alpha Condé, c'est un pouvoir de Pharaon qui est fini dans notre pays. La même manière que Pharaon est fini très mal, maintenant Alpha Condé aussi a très mal fini. Ça, c'est très important pour nous les Guinéens. Ça, c'est une fierté. Mais ce qui m'a soulagé, ce qui m'a très soulagé, dès qu'ils ont pris Alpha Condé, ils ont passé vers la commune de Ratoum. Aller à Bambeto, montrer le peuple de Bambeto, les habitants de Bambeto, avec les gens qui sont morts à Bambeto, les gens qui sont dans le tombeau à Bambeto, à montrer ce que vous avez tué, la personne qui vous avait fait la discrimination, la personne qui vous avait gazé, voici celui qui est dans la voiture maintenant. On va emporter. Ça va soulager. Humilier Alpha Condé. Le mal qu'il a fait la Guinée, remonter encore à Alpha Condé, cette mal-là retourner contre Alpha Condé. Ça m'a donné les bonnes respirations. Ça m'a donné encore fierté. Ça m'a donné la satisfaction dès qu'ils sont passés à la commune de Ratoma avec Alpha Condé dans le véhicule. Ah, maintenant, le jour que Alpha Condé va mourir encore, on va brûler le corps de Alpha Condé. Parce que tu dis, le malheur de la Guinée, c'est la naissance de Alpha Condé au sol de la Guinée. Depuis Alpha Condé est né, jusqu'à Alpha Condé va mourir, ça c'est le malheur de la Guinée. Donc maintenant, quand on a débarrassé avec le malheur là, s'il est mort, on va brûler son corps. On va brûler son corps encore. Montrer les Guinéens que on a le mal, les malédictions, les satans qui sont dans notre pays, c'est fini avec lui. On a réglé ces problèmes-là. Mes frères guinéens, je vais m'arrêter là aujourd'hui, comme nous sommes en train de travailler. Bientôt, je vais faire l'ouverture de mon bureau. C'est votre respect. Je vais employer ici minimum 16 à 20 personnes ici. 16 à 20 personnes que je vais employer ici, de l'avocat, ressources humaines et différentes professions. Ici. À la même temps, je vais employer les gens, même pas ici. Je vais aider mon pays encore.
de la République de Guinée. Maintenant, je suis prêt maintenant à travailler pour mon pays. Je suis prêt maintenant à rentrer mon pays, travailler là-bas. Parce que je sais que la personne qui est venue à la tête du peuple guinéen, à la tête de la nation guinéenne, je suis fier de la personne-là. J'ai 100% confiance à la personne-là. C'est une personne visionnaire, c'est une personne courageuse, c'est une personne déterminée, c'est une personne qui voulait que la Guinée avance. C'est une personne qui veut que la Guinée se développe. C'est une personne que la Guinée, qui veut que la Guinée, on va unir les Guinéens dans la sincérité, dans la transparence. Ça ne m'a pas aussi. Mamadi Doumbia, à l'occurrence de Mamadi Doumbia, à son excellence, monsieur Mamadi Doumbia, président de CNRD, président de la République de Guinée, chef de l'État, chef suprême de la nation. C'est lui le chef suprême de la nation guinéenne. Et le chef d'État major, haute autorité de l'armée guinéenne aujourd'hui, c'est lui qui commande toute l'armée guinéenne, c'est lui qui commande le peuple guinéen. Mamadi Doumbia, Sabar Mafindi. Sabar Mafindi, Sabar Mafindi, Sabar Mafindi. C'est lui qui est Oumar Ouleda Souare, qui est en train de dire que c'est le papa qui a quitté là-bas, c'est le fils qui est venu. Que c'est le papa qui a quitté là-bas, c'est le fils qui est venu. Ils sont trompés. Joseph Kabila de Congo. Mais c'est Joseph Kabila de Congo, c'est son fils qui a tué, qui a assassiné. Joseph Kabila, c'est son fils qui a assassiné. Maintenant, si Mamadi Doumbia est fils d'Alpha Condé, maintenant, c'est le même exemple que Joseph Kabila. C'est fini. Il n'y a pas de, compte-rendu là-bas. On ne fait pas de commentaires, on ne fait pas de compte-rendu parce qu'on a vu Joseph Kabila de Congo qui a assassiné Joseph Kabila. Ce n'est pas son fils. Maintenant, si Oumar Ouleda Souare, comme ils sont perdus, ils sont frustrés, il ne sait pas quoi a dit, il s'est permis que c'est la même chose, que c'est RPC qui a quitté ce RPC qui est là, que c'est Alpha Condé, que c'est papa qui a quitté le fils qui est venu. La Joseph Kabila, vous avez eu, et c'est son fils qui a assassiné. Voilà. Voilà. Mamadi Doumbia n'a pas idéologie ethnocentrise. Mamadi Doumbia, c'est un homme honnête et sincère. Mamadi Doumbia, c'est une patriote. Mamadi Doumbia, c'est une personne qui n'a pas ethnie, qui n'a pas de couleur de ethnique, qui n'a pas idéologie, région, qui n'a pas régionaliste. Mamadi Doumbia n'a pas d'objectif régionaliste, non. Mamadi Doumbia, c'est une armée républicaine. Il a un esprit républicain. Il est patriote, il a un esprit républicain. Celui qui pense, il va manipuler. Il va manipuler Mamadi Doumbia, il s'est trompé, il n'a qu'à se détromper.